Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vais vous présenter la valeur de 4 pièces de 2 euros commémoratives que j'ai retrouvées dans mes poches. La première de ces monnaies est la 2 euros commémorative 2008 française, présidence de l'Union européenne. Cette monnaie est la deuxième pièce de 2 euros commémorative circulante de la France après la 2 euros cinquantenaire du traité de Rome 2007. Le thème retenu pour cette pièce de 2008 est la présidence française du Conseil de l'Union européenne, de juillet à décembre 2008. Le dessin de cette monnaie a été réalisé par le designer Philippe Stark. Cette pièce présente donc sur son avers un motif constitué de l'inscription stylisée 2008 Présidence française Union européenne et les lettres RF pour République française bien entendu. Il figure aussi le différent de la monnaie de Paris, une corne d'abondance, et celui du graveur général, un corps de chasse. Les 12 étoiles du drapeau européen figurent sur l'anneau externe de cette monnaie. La pièce a été tirée à 10 millions et 64 000 exemplaires en qualité UNC, 20 000 exemplaires en BU et 10 000 exemplaires en qualité BE. Qui, je le rappelle, est en qualité belle épreuve. Le prix pour une pièce UNC, en qualité bien entendu neuve, varie de 5 à 8 euros. La deuxième monnaie, la pièce de 2 euros bleuet française de 2018. Cette pièce de 2 euros commémorative a été émise en 2018 à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice. Sur la monnaie, on retrouve une illustration du bleuet de France, symbole du souvenir envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. La face de cette monnaie représente donc le bleuet, qui est positionné en plein centre de la monnaie, il est entouré de la mention « Le bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité ». Les dates 1918 et 2018, ainsi que la mention « RF » et les étoiles européennes s'inscrivent également sur cette face. Cette monnaie a été tirée à 15 millions d'exemplaires en UNC, 10 000 exemplaires en qualité BU et 10 000 exemplaires en qualité BE. Vous savez que je m'intéresse essentiellement aux pièces UNC qui ont circulé. Et donc, la valeur moyenne d'une pièce circulante en état SPL est de 4 euros en moyenne. La troisième monnaie est une pièce de 2 euros France 2012 célébrant les 10 ans de l'euro. Le 1er janvier 2012, tous les pays de la zone euro ont été invités à émettre une pièce commémorative de 2 euros célébrant le 10e anniversaire de l'euro. L'euro avait en effet été créé en 1999 lorsque les 11 pays de la communauté européenne se dotèrent d'une politique monétaire et de taux de change unique, mais n'a circulé qu'à partir de 2002. C'est la troisième fois que tous les pays de la zone euro vont émettre une pièce présentant un dessin commun sur la face nationale.
La première pièce de ce type fut celle de 2 euros émise à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome en 2007 et la seconde a été frappée en 2009 à l'occasion des 10 ans de l'Union économique et monétaire et de l'introduction de l'euro comme monnaie. Organisée par la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, le concours de dessin pour illustrer la future pièce a été lancé le 29 avril 2011. Il était ouvert à tous les citoyens des pays de la zone euro ayant au moins 12 ans. Le vainqueur de ce concours fut le concepteur de la monnaie autrichienne Helmut Andexinger, qui avait d'ailleurs obtenu la seconde place du concours organisé à l'occasion de l'émission de la pièce commune réalisée pour les 10 ans de l'Union économique et monétaire. Il a été vainqueur avec 34% des suffrages. Son dessin symbolise la place de la monnaie unique dans l'économie mondiale, que ce soit pour les citoyens, le commerce, l'énergie ou l'industrie. Cette monnaie a été tirée pour la France à 10 millions d'exemplaires en UNC, 20 000 exemplaires en BU et 10 000 exemplaires en BE. La valeur de cette monnaie varie de 4 à 7 euros selon les sites où vous pouvez la trouver. Et la quatrième et dernière monnaie, c'est une pièce de 2 euros commémorative française de 2010. Aujourd'hui, nous parlons de la pièce de 2 euros appel du 18 juin 1940 qui a pour thème le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres sur les ondes de la BBC. On retrouve donc sur l'avers de cette pièce le portrait du général de Gaulle en costume lisant son célèbre appel devant un micro des studios londonien de la BBC, marqué du sigle RF pour République Française. Dans la partie supérieure de cette monnaie sont inscrits le millésime 2010 et les mentions 70 ans et appel du 18 juin. L'anneau externe de la pièce est orné des 12 étoiles du drapeau européen. Cette pièce a été tirée à 19 970 000 exemplaires en UNC, 20 000 exemplaires en BU et 10 000 exemplaires en BE. Son prix pour une pièce circulante en UNC varie de 5 à 8 euros selon les vendeurs. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.